Bonjour les enfants, bienvenue sur la chaîne Raconte-moi une histoire. J'espère que le livre où mon imagé des émotions vous aura plu. Aujourd'hui, je vais vous lire Tchoupi mange de tout. Tchoupi mange de tout. Aujourd'hui, Tchoupi s'est bien amusé chez Papy et Mamie pour le dîner. Papy a préparé des pâtes. Mais devant son assiette, Tchoupi fait une drôle de tête. Pourquoi il y a des morceaux verts? Ce sont des courgettes. Elles viennent du potager et sont délicieuses, dit Mamie. Je n'aime pas les courgettes, dit Tchoupi en triant dans son assiette. Mais tu ne les as même pas goûtées, regrette Mamie. Le lendemain, Papy a une idée. Il emmène Tchoupi dans le potager. Tu vois cette fleur jaune? Regarde ce qu'il y a dessous. Oh, mais c'est une courgette, dit Tchoupi. Tchoupi ramasse des courgettes, des tomates et des pommes de terre. Bravo, on va pouvoir faire une bonne soupe, dit Papy. Tchoupi aide Papy à laver les légumes. Il y a un peu de terre dessus. Il faut bien les rincer. Puis Tchoupi coupe une courgette et Papy met les légumes dans une marmite. Quand ils seront cuits, on les écrasera, explique Papy. Elle a quand même une drôle de couleur cette soupe, dit Tchoupi. Un peu de patience, attends de la goûter, répond Mamie. Mamie dessine un bonhomme avec un peu de crème. Tu as raison, Mamie. Il est trop bon, ce bonhomme en soupe. Ça régale, Tchoupi. Attendez, il manque quelque chose, dit Tchoupi. Une fleur de courgette pour faire une belle table de fête. Et voilà, j'espère que ce livre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et sur ce, bye bye! Bye bye!